Et voilà, vous êtes sur la clé des ondes 90.10. On a pris un morceau, une compilation de reggae qu'on a récupéré à la médiathèque de Blanquefort. Merci les médiathèques, heureusement qu'elles sont là. Ça nous permet de prendre quelques disques. Bon, là, on a voulu favoriser un groupe de jeunes qui sont dans le reggae et vous allez écouter plusieurs morceaux. On a dit qu'on revenait tout à l'heure en première partie, dans la deuxième partie, sur Bordeaux se lève contre les répressions policières, donc Solidaires étudiants avec d'autres organisations appellent le même jour. Et là, c'était donc samedi 22 à 11h, place à 16h, le samedi 22 novembre à 16h à la place donc, de la Victoire. Ce sont les zadistes qui appellent à se rassembler aussi, à venir rejoindre ces soutiens et contre les violences policières et le soutien à Rémy. Ils disent dans leur texte, les luttes à Notre-Dame-des-Landes, testées et partout ailleurs, ont poussé l'État dans ses retranchements. Une fois encore, il a commis l'irréparable, il a tué. Depuis, partout en France, des mouvements ne cessent de prendre de l'ampleur. Lycées et facs bloqués, occupation de gendarmerie, blocage des flux, manifestations, tirs tendus de grenades, tirs flashball en pleine tête, les attaques de la police et de la gendarmerie dépassent depuis longtemps leur propre cadre légal. La banalisation des violences policières nous est insupportable. Plus de 120 personnes tuées entre 2000 et 2014 et d'innombrables blessés, mutilés, éborgnés, sous les coups de la police, dans la rue, les commissariats, les prisons, aux frontières. Basta, ça suffit. À l'appel des zones à défendre, les ZAD, le 22 novembre aura lieu donc une grande journée de mobilisation contre les répressions policières. Bordeaux y répond, 16h, place de la Victoire. Face au fichage et à la répression policière, nous vous proposons de venir masquer, parce que qu'être masqué, ce n'est pas être un casseur, c'est avant tout se protéger du fichage général. Parce qu'il est grand temps de s'opposer fermement aux pratiques autoritaires de l'État. Pour la démilitarisation des forces de l'ordre, pour l'amnistie complète des inculpés politiques liés à ces luttes, pour l'abandon définitif du projet de barrage à Sivens, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et tout autre grand projet inutile imposé. Pour la réappropriation de nos vies et de nos territoires, solidarité avec toutes les victimes de la violence policière, ZAD partout. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10, la solidarité aussi pour la clé des ondes et pour d'autres associations va à tous les militants qui sont victimes aujourd'hui de la criminalisation. Et on a avec nous le DAL, bonsoir, qui sont eux aussi victimes de cette répression, comme d'autres militants syndicalistes. Et c'est pour ça qu'il faut être nombreux à ce rassemblement. Aurélie avec nous. Bonsoir. Et Myriam avec nous, donc bonsoir. Deux inculpés qui vont passer. Ah oui, elle n'a pas eu cette chance. Aurélie elle n'est pas fait partie de l'association, mais elle n'a pas été inculpée. Elle fait partie de l'association, mais elle n'a pas été inculpée, c'est vous, excusez-moi. Heureusement que vous êtes là pour rectifier. Donc, deux personnes qui sont concernées, hein, c'est des membres du DAL, le DAL est concerné. Je rappelle quand même à ceux qui sont à l'écoute que, première manifestation policière, ils avaient fracturé un local syndical. C'est la première fois depuis 1965 qu'un local syndical n'avait pas été fracturé. Eh bien, ils l'ont fait, et il y a eu quand même, malheureusement, pour Solidaires, une espèce de silence général qui a fait passer à l'as ces actes policiers qui sont inadmissibles envers les organisations syndicales, envers toutes les associations qui luttent pour les citoyens. Alors, Aurélie, tu peux nous rappeler un petit peu, d'abord, ce qu'il va y avoir le jeudi 20, à partir de 13h, rassemblement. Oui, donc... Le jeudi 20, devant le tribunal d'instance, un rassemblement à partir de 13h. Place de la République, rappel, oui, c'est la cour d'appel. Place de la République. Et le procès débutera à 14h. Donc, rassemblement avant et soutien pendant la durée du procès. Et on espère encore avoir des gens en sortant avec, on croise les doigts, de bonnes nouvelles. Myriam. Sur les bonnes nouvelles, je suis carrément sceptique. Quoique Damien Kawé a été. Il a été effectivement relaxé. Mais par rapport, pour faire le lien à ce que tu disais tout à l'heure sur les manifestations du 22, ce qu'on peut constater malgré tout, c'est que au niveau de la répression et de l'oppression policière en France, effectivement, la mort de Rémy Fraisse est un point d'orgue, un point de sensibilisation pour tous les militants qui s'interrogent effectivement sur cette violence extrême. Mais depuis la mort de Rémy Fraisse, il y a eu des manifestations qui ont été organisées dans de nombreuses villes, à Nantes, à Paris, à Toulouse notamment, pour dénoncer ces violences policières, et que toutes ces manifestations se sont soldées par des arrestations massives. Les témoignages de Toulouse sont assez inquiétants sur la façon dont une manifestation autorisée, puis non autorisée, puis finalement vous y allez, a fini dans une souricière où de nombreux manifestants ont été arrêtés.
Parmi ces manifestants arrêtés, certains sont conduits immédiatement devant les tribunaux, sont jugés et condamnés, parfois de la prison ferme et souvent à du sursis et à de lourdes peines. Ce qui prouve que malgré ce contexte où la mort de Rémy aurait pu être, même pour le pouvoir, disons, une alerte suffisante pour freiner ou du moins s'interroger vraiment sur est-ce que cette violence et cette répression étaient la bonne réponse à la contestation qui se passe dans ce pays. Non. Moi, je me souviens qu'en 86, quand Malik Moussekine est décédé suite à une manifestation qui s'opposait à la loi de Vaquer, il y a eu un tel choc que la question de retirer les voltigeurs n'avait pas passé une semaine, n'avait pas été débattue, ils avaient tout de suite été dissous, et tout de suite le projet de Vaquer avait été retiré. On constate qu'aujourd'hui, la mort d'un militant ne freine pas la répression du pouvoir. Donc dans ce contexte-là, il est effectivement un peu difficile d'être complètement optimiste, même si on a une bonne nouvelle par-ci par-là, quant au résultat de ce procès. C'est pour ça qu'il faut être nombreux le 22. C'est pour ça qu'il faut être en nombreux le 22 à Place de la Victoire, parce que je pense que c'est une manifestation, à mon avis, nationale et forte, qui fera reculer le pouvoir et non pas des petits rassemblements comme ça. Bon, en attendant, on fait ce qu'on peut. Tous les militants qui sont là, et moi-même fais partie de ces militants-là, on fait ce qu'on peut. On revient donc au DAL. Le DAL rappelle un peu quand même le contexte d'absence de logement. Aurélie, elle a 12 heures d'avion. Promis, c'est la dernière fois que je parle. Bon, ben, je crois qu'il y a des chiffres qui sont très parlants encore. Hein, les derniers chiffres de l'INSEE, hein, tu me réponds si je me trompe, c'est plus de 10 000 logements vacants sur Bordeaux. Pour 3000 personnes à la rue. Je pense que. Les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une loi de réquisition qui date de la fin des années 40. Donc, les outils, ils existent, les logements sont disponibles. C'est la puissance politique qui est complètement absente dans cette histoire. Donc, les associations, elles gèrent tant bien que mal. Les difficultés, le quotidien de ces personnes, elle les accompagne autant qu'elle peut. On est bénévoles tous, hein, je le rappelle. En arriver aujourd'hui à des inculpations au motif de solidarité, on pourrait même dire de l'assistance à personne en danger, de simple humanité, c'est juste incroyable, quoi. Il faut rappeler quand même aussi à quoi vous avez été condamné. Enfin, ceux qui étaient inculpés, là, il faut le rappeler aussi. Parce que le procès qui se passe jeudi est un procès en appel. Avons été condamnés le 14 mai dernier. Mm-hmm. Donc 5 personnes de l'association ont été condamnées à 3 mois de prison avec sursis, avec un sursis qui court sur 5 ans, 7 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros de frais d'avocat pour avoir donc... fracturer une porte, en fait, violation de domicile, installation et maintien de famille étrangère dans le domicile de Madame Lagrenouille, ce que nous nions corps écrit. Donc ce procès est un appel pour s'indigner et surtout clamer notre innocence à 3 mois de prison avec sursis. Et surtout quand qui court sur 5 ans, ça veut dire que la moindre faute que vous commettez, tout à fait. La peine est appliquée. La peine est appliquée et on peut se retrouver pour 3 mois en prison pour 3 mois. Donc il faut aussi rappeler aux gens qui nous écoutent le contexte de ce qui a mené la police à nous amener devant les tribunaux. Tu rappelais la perquisition du local de Sud Solidaire, qui était déjà en soi une aberration et un franchissement de la ligne jaune de la part du pouvoir politique. Mais il faut savoir que le même jour où le local de Sud était perquisitionné, les 5 militants qui ont été donc amenés devant les tribunaux étaient eux aussi perquisitionnés. C'est-à-dire que pendant à 7h du matin, 6 policiers sont rentrés dans 4 appartements différents à Bordeaux, donc vous multipliez déjà le nombre de policiers que ça demandait, ont perquisitionné ces appartements, sont repartis avec des effets personnels qui ont été mis sous scellés, ordinateur, téléphone, répertoire, agenda, etc., ont été mis sous scellés pendant 3 mois. Ces personnes-là ont fait 2 fois 10 heures de garde à vue, une en juillet, une en septembre. Et que très vite, nous avons reçu la convocation pour le tribunal. Donc on se rend bien compte que la disproportion de ce qui nous est reproché, c'est-à-dire d'être rentré de façon illégale dans un appartement, qui, nous le rappelons, était vacant, comme a dit l'usufruitière Mme Lagrenouille lors du procès, je pense que des portes qui s'ouvrent à Bordeaux, il y en a quand même régulièrement, et que je suppose, à juste titre, que jamais
On en voit des gens perquisitionner, retenir des documents qui n'ont rien à voir avec ce qui nous est reproché. Il est bien évident que ni sur les téléphones, ni sur les portables, ils auraient pu découvrir un plan secret qui aurait dit à tel moment on va ouvrir la porte de Madame Lagodonie, ce que, demeurant, nous n'avons pas fait. Je vais vous donner un exemple pour deux poids, deux mesures. Vous savez que le directeur Didier Lombard de France Télécom avait été suspendu de ses fonctions à la suite d'une multitude de suicides. Et ici à Bordeaux, on avait Rémi Louvradeau qui s'était immolé par le feu et donc reconnu comme responsabilité du directeur de France Télécom. Ça fait 5 ans, il n'a pas encore été jugé. Et là, on parle même, si vous avez entendu tout à l'heure à la radio, qu'on va le mettre à la retraite avec 440 000 euros par an. Donc vous voyez un peu deux poids, deux mesures, c'est-à-dire des militants syndicaux, associatifs, travaillent. Pour la solidarité humaine, et bien là tout de suite c'est inculpé, en 3 mois ils sont condamnés et la justice passe aussi vite. Aujourd'hui on est dans une situation grave, parce que la justice très rapidement elle s'attaque, elle devient, moi à mon avis, hein, suppléante du pouvoir en place. Je prends l'exemple aussi d'Alain Pojola. Alain Pojola, militant de la Ligue communiste révolutionnaire, NPA aujourd'hui, à la suite d'un appel à des rassemblements de plusieurs organisations, a pris la parole ce jour-là devant le ministère de l'Intérieur. Il a été inculpé pour manifestation illégale et il a été condamné à 1 500 euros d'amende et 3 mois de prison ferme. Il a été acquitté en première instance. Automatiquement, le procureur de la République a fait appel, c'est-à-dire le gouvernement, puisque le procureur de la République, c'est la voix du gouvernement. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut frapper fort les militants. Et c'est le cas aujourd'hui des camarades du DAL. Alors, ceux qui nous écoutent et qui fassent passer le message, il faut que le jeudi 20 novembre à 13h, on se trouve place de la République pour soutenir un camarade qui passe en appel. Si je puis me permettre, je peux te permettre de rebondir sur ce que tu dis, parce que on a tendance, parce qu'ils sont évidemment visibles, à s'insurger aujourd'hui contre les violences et contre la répression policière. Mmh. Évidemment, quand on voit les images du Testé ou des manifestations de Nantes, ils sont là, ils sont en uniforme, ils gazent, ils frappent, ils tirent à tir tendu, etc. Mais il ne faut pas oublier, comme tu le précises derrière, que cette répression policière, elle n'aurait aucune prise sur nous si la justice faisait son travail. Bien sûr. Là, ce qui est concomitant, c'est à la fois une volonté de l'État de nous réprimer et une justice qui opine et qui est presque opite, j'allais dire, pour abonder dans le sens d'un gouvernement. Mmh. Alors, le syndicat de la magistrature, cet été, a fait passer un communiqué pour indiquer qu'il s'inquiétait effectivement d'une justice un peu à la dérive qui cautionne des lois autoritaires ou, disons, condamnent des militants dans le cadre de leurs activités contre tout bon sens. Il n'empêche que j'ai l'impression que ce syndicat n'est pas encore majoritaire et que de nombreux juges, pour des raisons d'avancement, de politique, et peut-être aussi parce qu'ils sont eux-mêmes convaincus que, comme on nous a présenté, hein, le DAL, c'est-à-dire pas des voyous, mais déjà une nébuleuse. Quand on dit l'article Figaro que j'ai relu avant de venir et l'article de Sud-Ouest, c'était vraiment. Vous avez arraché à cette pauvre femme qui était partie se reposer parce qu'elle s'est fait opérer, sa maison, elle est revenue, on dort dans son lit. En fait, quand il y a eu des négociations avant, mais ça, personne n'en a parlé. Donc la manière dont on vous présente, c'est vrai que le Figaro, c'est quand même le journal le plus lu, même parmi les magistrats. Bien sûr. Et bien, une image comme ça, ça influence quand même. Et d'ailleurs, parmi les 5 personnes qui ont été inculpées, ils ont pris des personnes dans cette association qui, à l'époque, comportait 12 personnes. Sur les 4 qui sont inculpées, il y a 4 gens qui sont au chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi? Qu'on est des gens, en fait, qui au lieu de chercher du travail, on aide les gens, que ça a fait, vous voyez. Donc la justice est effectivement complice à certains endroits de la politique répressive du gouvernement. Et ça, c'est important de souligner. Donc, comme vous l'avez souligné, les articles soulignaient explicitement la responsabilité du DAL, qui est une association déclarée, loi 1901, inscrite en préfecture avec un fonctionnement collégial. Inscrite en préfecture. Donc je précise qu'un fonctionnement collégial, c'est un fonctionnement qui fait que toute décision est prise au consensus et non pas un vote à la majorité. Oui. Et ce statut est reconnu au niveau préfectoral. C'est ce qui se passe à Solidaire. C'est ce qui se passe dans d'autres associations. Oui. Et pour autant, alors que l'association aurait pu être attaquée en justice, nommément, ils ont choisi de faire porter la responsabilité à 5 personnes. Donc on ne sait pas sous quels critères ils ont été choisis. Nous étions 12 membres de la collégiale. Ces 12 membres étaient connus, puisque lors des perquisitions, ils ont relevé les noms et les numéros de téléphone. Donc il y a aussi quand même une certaine suspicion sur le choix de ces personnes. Et donc on voit bien aussi qu'on a là une individualisation
portée sur les personnes. Et moi, je pense que c'est une dissuasion aussi. Regardez, si vous vous engagez, si vous êtes solidaire, vous risquez d'être inculpé nommément de faire porter votre responsabilité pénale. Donc il y a un volet de dissuasion qui est assez explicite aussi, et c'est important à souligner dans ce procès. Oui, très bien, c'est vrai, je crois qu'il y a ce phénomène-là, parce que je reviens sur l'exemple de Pojola, c'était un individu parmi 200, 300 personnes qui étaient là. Il a suffi qu'ils prennent la parole sur le mégaphone pour qu'on dise « Ah, vous avez appelé, vous êtes responsable », et c'est terminé, c'est-à-dire qu'on frappe le militant qui lève un peu la tête et qui se permet de prendre des paroles. Alors aujourd'hui, donc la situation se présente comment? Vous avez discuté avec l'avocat, vous... Alors la situation se présente, d'abord si on fait appel, c'est que malgré tout, on espère que les juges vont entendre raison et que le dossier ne comportant aucune preuve d'un acte qu'on n'a pas fait, nous serons relaxés. Après, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de toutes les procédures qui nous permettront de faire preuve de notre innocence. Bien si sûr. De nouveau on est condamné jeudi prochain. Donc s'il faut aller en cassation, nous irons en cassation. S'il faut aller à la Cour européenne de justice, nous irons jusqu'à la Cour européenne de justice. Donc il y a de la part des inculpés une grande motivation à ce que justice soit rendue. Donc ça c'est déjà quand même un point positif. Le premier rassemblement, il y avait plus de 200 personnes qui étaient là. Depuis, bien évidemment, entre la délibération et le procès en appel, il s'est passé quelques mois qui font que la mobilisation n'avait pas lieu d'être. Mais depuis qu'on a relancé la mobilisation pour le procès, de nombreuses associations et collectifs ont répondu à l'appel. Notre procès se trouve malheureusement dans un contexte favorable, en tout cas au niveau de la mobilisation. Donc tout ça fait que quand on va arriver au tribunal, on ne se sent pas seul. Et ça, c'est très important de se rendre compte que ce qui nous arrive, on peut l'inscrire dans une répression globale, que ce que nous vivons, d'autres le vivent, et que du coup, des solidarités locales, nationales, voire mondiales, peuvent se mettre en place par rapport à ça. Donc on est au moins motivé pour porter fièrement les valeurs de notre association. Après, malheureusement, le reste ne dépend pas de nous. Merci. Voilà, vous êtes sur la clé Vison de 90.10, donc on sera là-bas, devant le tribunal, pour écouter, s'informer. Et on vous donnera des informations donc lundi prochain. Merci Béa, merci Aurélie. Merci Gilbert. On va s'écouter un petit morceau de musique et on se retrouve pour parler de 3 ou 4 petits textes concernant Georges Ibrahim Abdallah, concernant l'état de droit en défaut et aussi le rassemblement du soutien au DAL. On en reparlera. Merci. Merci à toi, Gilbert. Merci à la clé Vison.